Mamadou, farouche opposant au président renversé, Mohamed Bazoum, est rentré à Niamey après plus de 2 ans. Il a fait son retour ce mardi 13 septembre. Avant son départ pour la France en avril 2021, Amadou était en détention préventive depuis 1 mois dans une prison à l'ouest de Niamey. Il avait été accusé d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 21 février 2021, remportée par Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant Mahamadou Issoufou.